Bon, déjà, bonsoir les Cahiers du Rire. Charme, déconnade et positif. Positif, c'est bien en ce moment. Ah ouais, moi je suis optimiste, hein. Même s'il y a 10 personnes, eh ben c'est 10 personnes. Bon, ça. Ce n'est pas que 10 personnes, c'est 10 personnes. Parce qu'avant, ils ne me connaissaient pas et ils sont venus. Donc il vaut mieux voir la salle à moitié pleine qu'à moitié vide. Comme on dit. En gros, le pitch, c'est je dois me marier et puis je me rends compte que ma femme est folle, bipolaire, donc j'annule tout et je cherche la femme de ma vie dans la salle. Et t'arrives à la trouver de manière générale De manière générale, j'arrive relativement à la trouver. Quand il y a un peu moins de monde, c'est un peu rock'n'roll, mais ça donne des choses assez drôles. Mais du coup, il y a un côté interactif avec le public et j'aime beaucoup ça. C'est la première fois que je joue comme ça avec le public. Mon ancien spectacle, c'était plus des personnages. Là, c'est aussi des personnages, mais aussi de Patrice qui cherche la femme de sa vie parce qu'il a 3 jours pour trouver la femme de sa vie parce que tout est prêt. Le père, ses parents ont tout annulé, sauf le mariage. Le mariage est maintenu. Donc, il a une deadline, quoi. Il y a ma soeur Rachel qui arrive comme un ouragan et qui vient voir la nouvelle femme qu'il a trouvée dans la salle et qui a son gimmick qui est tout le temps quand c'est la merde, alors elle est où? Ah, oui, effectivement, alors elle lui dit effectivement, tu sais, comment vous appelez? Non, parce que son ex, celle qui a massacré mon frère, là, elle s'appelait Myriam. Et du coup, il nous reste 1000 faire-part sur les bras. Quand c'est la merde, 1000 faire-part, avec les initiales M comme Myriam et P comme ce con. Autant que tu en profites. Donc, si tu t'appelles pas Myriam, c'est possible. Ça va pas être simple, mais c'est possible. Si tu t'appelles Véronique, par exemple, on t'appellera Méronique. Et donc voilà, et là, du coup, le personnage de Méronique prend toute son ampleur, et c'est la fameuse femme de ma vie. Le théâtre est super. C'est un nouveau théâtre, la Comédie des Boulevards. C'est un endroit qui doit avoir 8-9 mois. Il est vraiment magnifique. En haut, il y a un bar. La salle est vachement conviviale. Il y a une super proximité. J'adore ce spectacle. Il est tout nouveau, donc j'en suis heureux. Et puis venez me voir parce que c'est pas cher et puis on a besoin de se marrer, quoi. On a besoin de se marrer et passer un bon moment. Merci à toi, David, c'est super comme principe. Merci d'être venu.